Salut tout le monde, c'est Florian Suisse et on se retrouve là pour un nouvel épisode sur Empire de la Loire avec la Russie. Cette fois, je suis sûr, ça ne bugra pas, je n'aurai pas encore ces maudits retours bureau qui m'ont, comment dire, rendu presque taré. Exactement. C'est pour ça que vous avez eu un épisode sur Dark Tower. Ça aurait pu être un épisode sur un autre jeu. Bon. Alors avec Alexandre et le mec qui me sauve, on va éliminer une fois pour tout l'Empire ottoman. Bon, il reste peut-être la Bosnie comme on voit en arrière-plan. Mais c'est pas un problème. Les Bosniaques, je les élimine, je lui envoie juste une armée chez eux. Bonjour, rendez-vous. Non, eh ben on crevait quand même. Schlack, voilà, Empire Ottoman il n'existe plus. Une fois l'Empire Ottoman éliminé, et une fois la Grèce indépendante ainsi que l'Égypte, et vous aurez la guerre. L'évolution russe. Mais je pense que pour bien aider mes amis autrichiens, je vais envahir Venise. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont le Péloponnèse et la Moria, et c'est une région qui appartient à la Grèce. Non mais les mecs, ils sont cru quoi? Mais nous, on vient chez vous. De toute façon, avec l'armée qu'ils ont, ils vont se dire « Nya, quand ce pays sera indépendant, on va l'envahir. » Attendez, la phrase « Diviser pour régner est une bonne maxime, unir pour diriger en est une meilleure. » Johann Wolfgang von Goethe, esprit universel allemand. Écrivain. « Diviser pour régner est une bonne maxime. » Oui, donc tu veux que, par exemple, un roi meure, ses fils partagent le pouvoir. Unir pour diriger en est une meilleure. D'accord, donc diviser... mais attendez, c'est pas un cours de philosophie ici. Oh, bon. Bon ben, je tourne cette vidéo aujourd'hui, c'est le lundi, parce que c'est la Pentecôte. Et ça sort, je fais une grosse connerie. Mais j'aime bien ces journées, là, au début de semaine, où voilà, le lundi... Comme disait Claude François, le lundi au soleil... C'est un jour qu'on n'aura jamais. Ah bah si, là on l'a aujourd'hui. En plus, c'est vrai qu'il y a du soleil. Bon. Et est-ce qu'on peut noter ce quart de campagne? Ben, on a une vue sur un village. Là, j'ai la série Un village français. Bon. On va se poster en haut parce qu'il faut bien repousser les Ottomans. Parce qu'après tout, ils ont de l'infanterie de mêlée. Et je sais pas pourquoi, mais toutes les infanteries de mêlée aiment. Mais vraiment, aime foncer sur mes rangs abandonnés. Oh, les soldats abandonnés, chargés. En plus, c'est vraiment ça. Bon. Alors, on va mettre des tranchées. Non, j'avais plutôt ça des barricades, mais surtout pas des tranchées. Ah, ça me rappelle cet épisode sur les Indiana Jones 2 où j'avais fait des barricades. Ah, c'était débile, mais c'était drôle quand même. Attendez, pourquoi j'avais fait ça déjà? Ah oui, la drogue. Ne faites pas attention à ce que j'aime. C'est juste une blague. On en fait tout le temps des blagues. Ah. Voilà, on a mis la pause. Parce que sur ce jeu, il est bien, mais il y a vraiment des problèmes. Par exemple, tu zoomer, c'est juste impossible. C'est limite, le jeu, il te dit non, tu ne zoomeras pas. Parce que c'est un jeu. Oui, nous d'accord. Oula! Oh là, ça fait vraiment des tranchées, lol! Attendez, les deux petits soldats ici, vous allez vous poster. Je dirais. Position de M. Et vous allez vous booster. Ah, très bien, je vois qu'on peut pas passer par là. Mais bon. Mais bon. Alors, mes petits irréguliers, comment vous allez? Oh non, il y a une foutue crevasse qui va empêcher mes hommes de tirer. Oups, j'aurais peut-être pas dû faire cette technique. Les artilleurs ne vont rien tirer, ne vont tirer sur moi du coup. Alors, est-ce qu'ils ont un bon adaptif? Oh oui, ça va. Ça fait bien en plus. Alors, je sais pas pourquoi, mais cette bataille va se gagner de justesse, peut-être. Putain, et ça vise bien. Attendez, est-ce qu'ils ont touché quelque chose? Donc, vous avez touché quelque chose, sinon c'est pas prime. Non. Non. Vous allez chercher moins 2 de prime. Moins 2 de salaire pour vos femmes et vos enfants. Désolé, je suis comme ça, mais mes hommes, ils doivent
Sérieux, on engage les artilleurs à tirer, pas à faire. Yeah, je sais tirer au canon, mais je sais pas toucher. Non, non. Ah, deux mamelouks. Vu le nombre de soldats qu'ils ont, deux mamelouks, ça va pas leur manquer. On est déjà un mystère et on a des sabres. On les porte comme des fusils parce qu'on n'a pas de... d'autorité. Tiens, ils vont envoyer les mamelouks sur les pandours. Bah, et c'est un peu pour voir, mec, et tu vas te... Et tu vas voir, tes hommes, ils vont pas se sentir très bien. Chef, j'ai deux balles de plomb dans le bide. Tais-toi et continue de tirer. Non, mais quand on déroute... Oh, bah, bien joué, quand même. Ah, pour une fois que mes hommes, ils font du bon travail. Parce que... Tiens, ils ont dû vraiment bien viser pour mettre... Les mecs, ils allaient charger, ils sont pris un gros coup de canon, ils sont fait... Ah, bobo. Ah, douleur. Bon, les mamelouks, vous venez, là. Non, parce que... À part me contourner, vous servez pas à grand chose. Quoi, attends. Qu'est-ce qu'il m'envoie? Les ribolquins, ok. Depuis quand t'envoies tes unités d'artilleurs au corps à corps? C'est vrai que les Suédois, ils ont fait la même chose, mais c'était peut-être pour la bonne cause. Bon, je pense qu'on va bientôt pouvoir utiliser la mitraille. Pourquoi la mitraille? Bah, ils sont morts. Mais... C'est quoi cette bataille? Les mecs, ils ont même pas de mots. Regardez! Ils sont en déroute. Ah! J'ai rien dit. Je disais, ils sont déjà en déroute alors qu'ils ont même. Alors qu'ils passent même pas le cordon de sécurité. Est-ce que mes hommes visent comme des pieds? Ah, attendez. Je vois que vous ne pouvez pas avancer plus. Bah. Essayez, espèce d'imbécile. Bon, attendez, vous deux, vous allez descendre là. Là, comme ça, on va bien les contourner. Je vais vous contourner, mes amis. Attendez, j'ai pas vu où ils en sont, mes pandous. Oh là, oh là là, oh là 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 là, ça sent mauvais. Ça sent les épices. Ça sent le kebab. Qui mange du kebab? Personne. Oh, fermez-la. Bon, là, toi, tu... Le mec, ils sont cons. Chef, c'est pas nos artilleurs à nous. TG, on se bat. Chef, quoi, ouais, je prendrai un coup de tir d'artillerie. Chef, j'ai perdu la moitié de mes os. Bordel, tu sais pas fermer ta gueule. Mais chef, j'ai plus d'eau. Je crois que j'ai perdu des os. Mais non, ça va. Bah, pourquoi je vois mon bide à l'air comme Mr. Creost dans Monty Python? Mais c'est pas du spoil. Mais ça n'existe même pas, chef. Putain, le massacre de Mamelouk. Alors, mes pandous. Vous repliez, vous. Putain, il m'envoie 5000 hommes à la fois. Et je vous dis, cette bataille, il va falloir qu'on la finisse au corps à corps. Ou peut-être pas. Bon, là, ils sont tous en déroute. Excusez-moi. Excusez-moi. Pour toi, c'est la meilleure chose qu'on peut entendre. Un mec éternu. Et alors? Oui, ils viennent se battre, les mamelouks, là. Auriez-vous perdu votre entrejambe, monsieur? Oh merde, il y a un trou béant dans ma ligne. Attendez, les artilleurs, faites demi-tour, faut que vous vous cassiez. Bon bah attends, toi retourne-toi, il y a juste des débiles qui veulent te faire un coucou. Tu veux mourir? Ah mais putain, mais ils veulent s'acharner. Ils s'acharnent en plus sur mes pandours, les petits enfoirés. Nien des pandours, nien des autrichiens, tuons-les. C'est pas comme si l'armée autrichienne, elle vous avait pas trop explosé. Non, ça va, vous êtes pas fait piquer. C'est vrai que vous en êtes assez bien sortis depuis le début du conflit, mes amis les Ottomans. Mes amis, mais vous me faites shit depuis des siècles, vous avez éliminé l'Empire romain d'Orient. Vous avez éliminé les restes d'un empire vieux de 700, de plus de longtemps, vous avez éliminé l'Empire romain. Putain, ils sont nombreux. Oh, je crois que j'ai besoin de renfort là-bas. Encore plus, j'ai une de mes unités qui est sur point de CD. Mais qu'est-ce qu'il fait ma cave? Mais ils sont sous le... Mais qu'est-ce que vous foutez sous le feu ennemi? Oui, bon, c'est peut-être moi aussi qui les mets
mauvais endroit. Vous tirez... Ah oui, c'est vrai que vous êtes un peu sous tiré ennemi, alors... faut pas compter sur grand-chose. Commencez à vouloir taper sur les nerfs, c'est... Ah, j'ai une dent des routes. Non, c'est bon. Et attention, c'est la charge dans le... C'est un peu dans le dos de mes hommes que tu charges. Ah non, c'est bon, t'es pardonné. Bon, de toute façon, avec ce avec, ils mettent qu'il n'y a plus qu'un tour pour se rendre, donc... perso, c'est la fin de la guerre pour eux. Mais... Cours, imbécile! T'attends quoi qui te fait un... qui te fasse un bisou sur la joue comme des bisounours? Ils sont 50, ils résistent à mort. Non mais quoi, on porte des uniformes chelous, mais on est des soldats russes après tout. Lucie, environnement. Bah c'est vrai que vous êtes des soldats. Ah merde. Bon ben... Non. Ah, ils sont tombés en déroute. Bon, j'ai pas trouvé leur général aussi. Le général il s'est caché où? Le général il a disparu dans la nature. Personne ne va me trouver dans la nature. Ah si, en fait. Les Sleski qui se battent à mort. C'est un jeudi. Les Sleski. Oh bah dis donc. Là j'attribue le mérite aux Sleski. Non, parce que déjà c'est pas une unité qui est très expérimentée. La masse de mecs qui se barrent. Messieurs, faites-vous plaisir. Charcuterie. Ah, oh, il y a encore des Revolkers. Non, là, ils ont pas de canon. Bon, c'est bon, tant qu'ils ont pas d'artilleur. Pendant, ils sont où? Putain, les mecs, ils ont survécu. Bon, alors, les gars, faisons l'équipe alliative. Récap. Enfin, on récapépète. On s'est fait attaquer par des soldats qui ne savent pas manier de fusil, apparemment. Bah, si, mais c'est tout ce qu'ils pouvaient payer. Ah, bah, c'est vraiment qu'ils sont bizarres. Et attention, la charge épique du siècle. On est 106 contre... 13 débiles. Chat, je pense pas que c'est une bonne idée de rester là. Je t'ai pas déjà buté pour avoir une bêtise. Non, mais on va juste se faire tuer dans quelques secondes. Donc, la mêlée, le massacre. T'entends à chaque seconde. Attends, arrête-toi et... Oh. Attends, mais il a visé mon... La vie. Wow! Mais c'est Verdun! Oh mais non, mais pas mes artilleurs, toi! Attends, t'es où? Ah, l'enfoiré, il s'est amusé à mitrailler mes soldats! Tu crois que je t'ai pas? Bon, on va s'arrêter là, parce que cette bataille... 12 minutes de bataille juste pour massacrer 1300 soldats qui me chargeaient. Non mais c'était le film Zoulou, là, c'était plus le... oui. Donc c'était même plus une bataille contre l'Empire Ottoman, là. Non, mais c'était le film Zoulou, je suis désolé. Voilà, combien de pertes ils ont subi? 1237 hommes. Ah, l'IA qui arrête pas de mentir, c'est bizarre. Et 214... Et 214 pertes, et on a eu très peu d'unités qui ont gagné, j'espère. Voilà, un truc que je peux dire, que j'ai vu il y a pas longtemps, l'IA sur Barbarian Invasion, extension de Rome Total War, pas stupide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est assez intelligente, parce que... Si vous voulez, j'étais dans une bataille qui était déclarée perdue. Le garduc... En bref, l'ennemi, c'était les Saxons qui avaient plein de... Alors, j'ai été chargé un mode qui me permettait de jouer les Britto-Romains. Pour ceux qui connaissent Barbarian Invasion, je sais quel pays je parle. Oh non, j'espère que les marins vont pas me déclarer la guerre. Parce que ce sera un peu dégueulasse d'entrer en guerre contre eux vers la fin de la série. Donc, en bref, ce que j'ai fait dans cette campagne, c'était assez compliqué quand même. Eh bien, les Saxons m'avaient attaqué. Et voilà, l'Égypte est née. Bonjour. Ils ont des Cosaques. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, j'ai envie de dire. Il existe dans Ascobje. Un port qui n'a pas encore des raids. Ils m'énervent avec leur raid. Bon alors, l'Egypte est en guerre contre moi, mais qu'est-ce qu'ils ont? Les paysans. Les Mamelouks sont nés. Les nouvelles de Moscou. Alors, qu'est-ce que c'est? T'as pris bien pour l'édition, les nouvelles de Moscou. Ah bah, tu m'étonnes, mais mec, mes hommes ils sont comme ça. Chef, c'est quoi les nouvelles? J'en sais rien, les gars. Putain, les mecs là ils ont une fusée. Oh lord. Moi j'ai des artilleurs. Bah attendez, on va aller affronter leur armée. Oh, imbécile, j'y t'attends. Allez viens, je vais te venir te tuer. On a perdu l'Egypte, enfin je m'en fous.
On a un navire de commerce en mer Baltique. Ah oui, c'est vrai que j'avais prévu de créer une flotte. Une flotte de commerce, parce que... Bon, c'est vrai qu'on est une nation dominante. Je vais juste recruter un navire de protection, parce que... On va recruter un brick. Oui, je suis un peu sadique. Je ne mets pas de bons navires pour les défendre. Bon alors, il est temps de discuter avec l'Égypte. Alors, on est... je suis assez mal aimé, mais non. Alors, Égypte. Son dirigeant, Mohamed I. Alors, guerre, même régime, doléances historiques. Ah, on s'entend pas très bien avec l'Égypte. Alors, bonjour mon cher ami, est-ce que tu veux la paix? Mais voilà! Bah attends, je vais te donner... Tu veux un accord commercial? Sadique, va. Et je vais proposer une dernière chose si je peux. Devenir protecteur. Non mais... Cette option demande à une nation de... Ah, ils refusent. Bon. Pour l'instant, vu l'armée qu'il y a à côté de chez moi, ils sont pas prêts de bouger. Alors, Islam. Ah, ils ont refait des vêtements. Bon, en tout cas, ils seront bien en avance. Bon, pour l'instant, on a une nation qui vient de naître. Alors, les Égyptiens, les Grecs ne m'aiment pas. Bah, tu m'étonnes. Je suis en train de fouiller leur territoire comme ça. Bonjour, je viens vous envahir. Bon, alors, on va sortir de la ville. Et je suis sûr que les Vénitiens vont nous déclarer guerre. Bon, peut-être pas quand même, mais je pense que j'en déclare guerre. Allez, il est temps d'en finir avec l'Empire Ottoman. Ah, lui, il est... Ah! Empire Ottoman, tu as un tour de survie de plus. Et je te souhaite de bonnes chances de survivre, enfoiré. Excusez-moi. Je vais retenter, cette fois avec de l'argent. Parce que, bon, les Mamelouks, c'est un beau pays. Alors, technologie, offrir la technologie. Et ils ont quelques technologies. Et je vais donner 5000. Parce que vous êtes pauvres, les mecs. 5000. Voilà. Avec 5000, on gagne tout. Putain, mais il me casse les couilles. Bon. C'est... Je pensais pas que ce serait aussi dur de leur demander de faire partie de mon empire. Ah mais non, mais pourquoi il se bouge, lui? Pourquoi il bouge? Ah oui. On avance bien. Bon alors, comment dire que forcer la Russie à devenir... L'Égypte à devenir un protectorat sera compliqué. Mais bon, déjà l'avoir comme allié serait pas trop mal. Ouais, qu'est-ce qui m'a pris de demander ce pays en protectorat? C'est tellement con parce que les... Pour demander à un pays d'être protectorat... Pff, plus on sait pas comme si on n'était pas de la même religion. Ah, la France est en train de tenter une opération à coup de prêtres. Ah, les Ottomans, vous savez pas que c'est votre dernier tour de survie? C'est ça, courez! Pétez mes bâtiments que vous pouvez parce que quand je vous capturerai tous... Ils repartent chez eux? Putain, vous êtes sympas, les mecs. Oh oui, je vous aime. Même si j'approuve pas vraiment les méthodes de l'Inde envers les femmes. Non, parce que bon... Bah, je vais pas en faire une liste, mais il y a quelques petits crimes de guerre entraînés par ces messieurs. En espérant que... Bon, en même... bon, j'ai envie de dire, si en Inde, il y a quand même des crimes alors qu'il y a une reine, c'est qu'il y a un problème. Oh, le petit enflure. Oh, l'enflure! Oh, le bâtard! Bon, on va réparer tout ça. Et l'Empire Ottoman va bientôt pouvoir profiter de sa guerre. Piraeus. Ah, c'est le port de la Pirée. Travaille en grève en Égypte. Oui, mais c'est normal, je veux que vous vous rebelliez. Bon, allez! Bonne nuit, les Ottomans! Et voilà, on s'est débarrassé d'un pays, d'un empire! Non! Pourquoi il y a de numisme là? Non, je veux retourner. Non! Ah, ben voilà! Putain, les mecs qui me font suer pour rien. Ah, c'est pas trop tôt, on a enfin pris une nouvelle région. Ah, et on s'est débarrassé au passage de l'Empire Ottoman. Yay! Bon alors, ça fait quoi dans le... Là alors, on a Piotr 2. Piotr 2 qui a 74 ans, honnête, vieux, sommelier, ok. Alors, la France est 3ème puissance, mais de loin. 4ème puissance Royaume-Uni. Ouais, donc, ça dérange personne, tu veux dire un pays en moins. Et eux, là, ils sont... Ils deviennent quoi? Parce que
Je rappelle que eux, ils ont plus rien. Je vais peut-être enlever mon accord avec eux pour bien les emmerder. Bah, attendez, vu que je veux être sympa avec les Mamelouks, est-ce que vous accepteriez une alliance? Bon, attendez, au moins acceptez un cadeau, je sais pas, je vous donne un pur sang de mes écuries. Un pur sang de mes écuries! Oh, c'est pas compliqué, toi, quand même. Bon, alors, je pense qu'on n'a pas besoin de refaire un navire de plus. Et la marine va aller... oula, j'ai fait un horrible jeu de mots. J'allais faire un jeu de mots qui allait me pendre. On a perdu John Bosco. Ah oui! Vous avez tenté de vous rebeller? Oh, comme c'est mignon! Vous allez crever de faim. En plus, j'ai perdu une école, hein, les enfoirés. Ils vont pouvoir recruter des technologies. Par ça, même, je perds tout. Plus 10 de chance de récupérer des blessures d'une bataille. Ah oui, c'est notre petit diacre. Plus 10? Putain, mais ce mec, on avance sur son temps. Bon alors, quand vous êtes blessé, faut pas faire « Ah, je vais bien !» Non, quand vous êtes blessé, vous faites « Chef, docteur, je crois que j'ai mal, à l'aide !» Voilà, comme ça, on viendra à votre aide. On vous abandonnera pas sur une route entre. Alors que vous êtes en train d'agoniser. Ça va, Jean-Pierre? Ben voilà, ce que je vous disais. Ah oui, donc là, je refais. Bon, eh bien, c'est la fin de l'Empire Ottoman. Bon, vous avez pas encore vu le message qui annonce. L'Empire Ottoman allant du là, plus grand ennemi de Russie avant été détruit. C'est vrai que c'est des dents enfoirées. Ah, je me souviendrai toujours de ces grands moments de combat. Ces grands moments où on s'est affronté avec ces Ottomans et qu'on les a massacrés. Ah là là. Non, 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 non! Russie, il a quitté la ville, s'est dit « Oh, ici j'allais faire un voyage !» Bon, j'avoue, c'est une fausse manip de ma part. Alors, j'ai pas regardé les routes. Bulgarie, c'est bon. Bosnie, c'est en cours. Ah oui. Russie détruite. Cette nation a été détruite. Ces régions ayant été prises par l'ennemi. Une nation autrefois resplendissante ne sera qu'une note de bas de page dans un livre d'histoire. Bon, désolé pour casser un mythique bug. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Alors, normalement, l'Empire Ottoman aurait dû disparaître en 1923. Pourquoi 1923? Parce qu'il avait participé à la Première Guerre mondiale et ce con et ses connards ont perdu. Pourquoi? Bah, ils ont essayé de faire leur malin, mais ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui reste de garnison? Ouh, la France, il va falloir beaucoup plus que 5-6 pecno pour prendre cette ville. Qu'est-ce qu'on prête, 57 ans. Bah, tant que t'es encore vivant, je vais voir ce qu'ils ont à Tunis. Ça se trouve, ils ont une bonne garnison. Ah, je crois qu'ils ont doivent avoir des révoltes. Ah, vous prenez... Ils se sentent pas trop mal quand même. Ils pourraient, avec une armée comme ça, reprendre Tunis. Enfin. Oh, 33e régiment d'infanterie, putain. C'est rare de croiser un de ces régiments-là. Alors, est-ce que ça a changé aux Amériques? Parce que... Regardez, la France aux Amériques. La France, c'est... La France, c'est... Ils ont éliminé les Cherokees et les Iroquois. C'est... Bon, ils sont pas encore... Alors, actuellement, ça va être la guerre aux Amériques. En fait, il y a très peu de puissance. Bon, par contre, la France qui a perdu la Guyane, je suis pas vraiment très content. Bon, ouais. Bon, alors, Uppsala est ici, batteuse. Est-ce que j'ai une technologie médecine, quelque chose du genre? Production de masse. Oh! Ça me fait des bonus. Plus 14 de richesse grâce au bâtiment industrialisé. Oh putain, il faut vraiment que je fasse ça. Plus 12! Plus 4? Oh oui. C'est quoi ça? Moins 10 de coups pour l'artillerie. Oh oui! Moins 10 de coups de reculement pour tous les unités de reste. Oh oui, arrêtez! C'est trop bon. Machine à vapeur, pièce échangeable. Attendez, je fais pas le petit train, le petit train. Bon, quand on aura fait la révolution, on fait les droits de l'homme. Oh yeah, la En tout cas, on sera l'ultime puissance mondiale. Personne ne pourra m'arrêter. Je suis. Oh, le palais d'hiver, je l'ai pas vu. Parce que dans ce palais, il existe des faits divers. Bon, c'était nul. Excusez-moi. Bon alors, on va construire encore quelques bâtiments. Bon, là, c'est même plus ma région. Alors, quand je récupérerai cette région, je ferai une tyrannie de fer comme Staline. Vous irez tous au goulag. Pourquoi au goulag? Bah... J'en sais rien. Peut-être. Non. Vaut mieux pas que je dise quelque chose. Bon alors,
passons le tour. Passons le tour, les enfants. Bon, bien. Désormais, prochaine guerre, ce sera contre Venise. Pourquoi ? Parce que je veux conquérir toute la Grèce. Pour demander à un pays d'être protecteur, c'est pas si simple, en fait. Parce que, en plus, pas comme si l'Égypte était un empire... Ouais, voilà, vous m'avez compris. C'est un empire tellement puissant. Bon, je vous rassure sur la technologie, abolition de l'esclavage. Bah, bien, je suis pas un monstre non plus. Et bah, dites-moi la liste des choses horribles. Je croise les doigts pour que je n'ai pas déclaré son guerre. Non, ils ont l'air de rentrer chez eux. Bah, en même temps, qu'est-ce que vous foutiez là, les mecs? Ah oui, ils étaient là pour les Ottomans. En fait, non. En fait, lorsqu'ils ont appris la chute d'Empire Ottoman. Bon, les gars, l'Empire Ottoman, il a disparu. Oh! Mais on peut rester? Bah non, faut qu'on quitte le territoire parce que les Syriens ils sont pas très contents. Ouais, il y en a même qui sont en train de préparer une croisade contre nous. Écoutez-moi mes frères, ces mecs ce sont des menteurs, ils veulent nous buter, c'est tout. C'est bien, va convertir les gens sur mon territoire. C'est bien, va. Ah! M'attaque. Bah 26 minutes. On a peut-être le temps de faire un baston. Nous allons faire le baston pour Lucie. Bon. Excusez-moi. Alors, avec nos artilleurs et nos petites unités de mêlée, on a une chance de s'en sortir contre ces cosaques. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont des cosaques qui tirent. Enfin, des cavaliers qui tirent. Et des munitions. Bon, sans commentaire, j'ai de l'infanterie de ligne. Bon, même si on dirait pas de l'infanterie de ligne. Et de la cave. Donc, mes cavaliers, ils vous emmerdent. Thug life. Bon, alors, on reprend le Don Bosco. On va éliminer une bonne fois pour toutes le mouvement du printemps des peuples, de l'hiver des peuples. Pourquoi hiver des peuples? Ben, parce qu'elles ont tout éclaté en hiver. Oui. Parce que c'était des révoltes froides. Je sais pas quoi dire là-dessus. Mais bon, je vous demande, s'il vous plaît, j'ai mis dans beaucoup de commentaires et personne ne m'a écouté. Ce serait très très sympathique si vous pouviez aller voter pour le sondage. Parce que si... on vous demande de respecter un sondage, vous le ferez quand même. Alors, je vous demande si vous voulez honnêtement participer au sondage. Je remets le lien dans la description, mais je vous demande d'y participer, s'il vous plaît. Enfin, si vous répondez aussi, si vous ne dites rien, ça veut peut-être dire que vous voulez que Lego Indiana Jones 2 continue. Mais j'en doute. Alors voilà. Bon alors, il est temps d'écraser cette maudite révolte du Don Bosco. On va leur apprendre à se rebeller. Ça, tu m'étonnes. Depuis quand? Pourquoi vous êtes rebellés, les mecs? Je suis pas un tyran, je suis pas Staline non plus. Je vois que cet homme a une moustache bizarre, mais je vois pas ce qu'il a de dangereux. Mais tu vois pas les crânes derrière? Les crânes? Marion Crâne? C'est qui Marion Crâne? La fille qui se fait massacrer dans le film? Lequel? Psychose. Hitchcock. Et c'est qui Hitchcock? Tuez-le. Tuez cet homme qui ne connaît pas Hitchcock. Ouh! Ils sont tous passés au-dessus de leur tête. Les mecs, ils ont fait... Oh! Bon, je crois que... Hey Fred, je crois que j'ai trouvé une nouvelle coiffure. Dis donc, Jamie. Bon, attendez. On va se déployer, redéployer un peu plus loin. Alors aussi, si je pourrais faire une petite série sur Barbarian Invasion. Alors, ce que j'aime bien dans Barbarian Invasion, c'est le système des hordes. Enfin, ce jeu est super parce que vous jouez l'Empire romain dans les deux empires romains, ainsi que les nations barbares comme les Français, enfin les Francs, les Burgondes, les... Vous jouez tous les peuples qui ont créé un monde. Voilà, vous m'avez compris. Comme je crois que c'était De Gaulle qui a dit... Ou je sais plus qui. J'oublie de leur demander de tirer à la mitraille. Bah, tu m'étonnes que je vais faire beaucoup de pertes avec la mitraille. Charge. Carré. Carré. Aïe aïe, Mr. Esky prennent cher. En fait, c'est pas une bonne idée de rester comme ça.
Tirez dans le tas, camarade! Oh! Putain, mais ils sont déjà en déroute. Ils s'y prennent cher. Ils sont déjà en déroute? Mais rien du tout, les mecs, sérieux! Je vous ai déjà vu vous battre pour plus que ça. Bande de larves, vous ne méritez pas ma reconnaissance. Bon, tirez par là, s'il vous plaît. Je vous demande de tirer par là. Bon, elle est où, Maca? Il faut des dégâts dans leur armée, c'est pas croyable. Va-t-on gagner? J'en sais rien. Bordel, mais on n'y voit rien. Bon, ils sont peut-être un peu plus nombreux aussi. C'est pour ça que je me fais un peu bas. Ah, courez pour vos vies, les mecs! Ah, ceux-ci, ils ont pris cher quand même. Va sauver les artilleurs, imbécile! Moi si vous êtes aussi. Je vais t'attraper, espèce de larve. Là. Oh, mon général est mort. Oh. Bon, j'avoue, c'est pas une bonne bataille qu'ils déroulent actuellement. Si je dois faire venir mon armée du Nord pour me débarrasser d'une petite rébellion de merde, on va en avoir pour longtemps. J'espère qu'on gagne cette bataille. Bah, sachez que là, ce serait un peu humiliant. Non, vous foutez pas... Mais contre des cosaques, vous êtes sérieux? Et attendez, vous faites de battre en déroute par 20 cosaques alors que vous êtes une centaine, vous êtes vous aussi des cosaques. Putain, mais les mecs, ils abusent quand même. Les mecs sont peut-être une dizaine, mais non, nous, on aime bien tout le monde. Quoi? C'est n'importe quoi, cette bataille! Mes hommes qui se font mettre en déroute par des débiles mentaux, c'est humiliant. C'est chiant de voir que l'IA n'est pas capable de se battre sur ce jeu. Faites un carré. Oh bah oui, oui, une charge de combien? D'une centaine de mecs, ça te met une terre des routes. Mais sérieusement, c'est n'importe quoi. Bon allez, vous me butez ces cavaliers, parce que bon, vous êtes 92, vous pouvez peut-être gagner cette bataille au moins. Bien. Allez, bon, vous tombez en des routes. Il m'envoie tout sur la gueule, je vais pas tenir. Voilà, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils sont que 5. Bon, là, si vous au moins mettre cette ligne en déroute, ce serait l'avantage. Bon, les 62 là, vous pourrez peut-être revenir, parce que vous êtes battu un peu à mort. Mais 76 qui se mettent en déroute contre 4-5 pecnos, c'est n'importe quoi. C'est. Ah bah oui, oui aussi, n'arrivez même plus à vous battre, c'est sympathique. Putain de glandeur. Ah oui, oui, ils vont faire une charge dans le dos aussi. C'est très courant dans l'armée, chez les rebelles cosaques. Soyez maudits les cosaques, je reviendrai vous défoncer. J'ai juste eu pas de chance aujourd'hui même. Enflure. Enflure de jeu qui fait fuir. Attendez, est-ce que... Tu m'expliques quand même pourquoi les mecs ils se mettent en déroute alors qu'ils... Quand même. Ok, bon, je veux bien que mon unité elle est incapable de résister, mais l'espèce qui fuit contre une unité de cave qui n'est presque morte, c'est n'importe quoi. Bon, on aura fait 325 morts, c'est presque autant que nous. Bon, Grèce, c'est normal, je veux que la Grèce soit indépendante. En Grèce, c'est pas un problème. Va devoir envoyer la pomme de terre. Bon, bah désormais, la pomme de terre est chez nous. Bon, bah, ok. Ok, il faut une puissante armée. Bon, alors... Je vais essayer de négocier avec l'Égypte.
Indifférent plus 14. C'est pas mal. Alors, je voudrais bien vous faire une alliance. C'est pas trop tôt. On se sent pas mal. Alors, comment est aimée l'Egypte? Est-ce que l'Egypte est... Oui, l'Egypte est assez gagnée. Par contre, pas par le Royaume-Uni. Ben, les mecs, je vous protégerai. Si vous avez un s'il y a un problème, je vous aiderai. Bon, alors, on va remonter cette armée dans le nord. Il est temps de mater ces petits rebelles, là, qui font leur malin. Putain, mais regardez cette armée qui a même... Ah! Tiens, bizarrement, on a éliminé beaucoup de soldats chez eux. Bon, ben... On va se replier. Alors, il nous faut une colline. Alors, il nous faut une colline pour au cas où si ces connards reviennent. Je vais me remettre, ici. Bon, c'est n'importe quoi. C'est la première fois que je vois des soldats fuir devant des mecs qui peuvent terrasser. Oh, c'est n'importe quoi, mais vraiment. Bon, on est à 36 minutes. C'est pas grave si j'attends un peu. Bon, on va voir la révolution. Ah oui, je comprends pourquoi. Ouais, par contre, faut juste que je fonce vers un peu plus vers le sud. Ou le Royaume-Uni qui prépare une expédition. Si c'est contre moi, mec, je t'envoie, j'envoie cette île qui te sert de pays et je rends l'Écosse et l'Irlande indépendants. Motherfucker! Perso, si je joue la France, je fais une expédition en Irlande. Je vous dis direct, donnons sa couleur. Ou si je fais une campagne avec l'Espagne, je fais l'invincible armada. Bon. Pas très invincible, quand même. Ah oui, pas très invincible, armada. Bon, toi le marat, tu peux prendre. Ça, c'est vraiment, ils se cassent. Bon, allez, les gars, on va se barrer de chez eux parce que bon, c'est. Putain, le mec, il était chez moi. Il était limite sur le point d'entrée de la ville. Je faisais, oh, c'est une belle ville, n'est-ce pas? Je croise les doigts sur. Tant que je verrai ces armées entrer sur mon territoire, je stresse. S'ils quittent mon territoire, alléluia! Mais bon, c'est, ils vont déclarer la guerre, c'est obligé. Bon, ça m'étonne pas, ça m'étonne que les Grecs sont pas sympas avec moi. Ah, on a une rébellion en Grèce. Oh, c'est beau. Putain, ils ont une bonne armée. Bon alors, création de nouvelle ville. Yakzi, en Perse. Oui, on a une belle... On a un beau territoire. Bon alors, l'armée d'Égypte. Dirigé par Sergueï, tu vas aller massacrer cette petite rébellion qui fait sa maline. Elle. Bon alors, j'espère que pas d'une tout. C'est bon. Bon, tant que vous. J'espère que vous allez vite vous refaire 10 soldats parce que bon. Ils ont mis une raclée. Bon, c'est pas comme si j'avais essayé de me battre. Non. Non, mes hommes, ils sont battus. C'est juste que j'ai mal dirigé, c'est tout. Non. L'IA, c'est des flemmards. Parce que. Depuis quand 100 soldats qui sont armés de faux, ça tombe en déroute contre des pecnos. Voilà, en tout cas, un truc est sûr, ce sera pas l'Empire, ce sera pas la Prusse qui gagne, parce que j'ai un peu pris l'un de leurs territoires qu'ils devaient avoir. Bon, désormais, la Prusse... Bon, bah, désormais, on va avoir une guerre froide. Enfin, pour moi, la guerre, elle sera froide, est-ce que je suis en Russie? C'est nul, monsieur. Beaucoup de villes qui ont bien évolué, quand même. Qu'elle sèche. Je vais concentrer. Alors, là. La population n'est pas très contente. Bah, tu m'étonnes. Bon, la prochaine cible, ce sera le Danemark. Qu'il faudra qu'on attaque au passage. Qu'est-ce qu'ils ont, les Danois? Oui, bon, je lance un assaut, il n'y a plus rien. Bon, toi, tu vas pouvoir retourner là-bas. Parce que j'ai pas vraiment besoin de toi. Est-ce que la population est un peu plus contente? Bon, alors, je pense que la Prusse ne prendra... La Prusse ne voulait prendre que le Danemark. Commercial... Attendez un instant, je vais voir ce qui est à la mode dans le jeu. Alors, qu'est-ce qui est à la mode? Ivoire et épices. On va aller prendre des épices. Alors, les épices, je présume que c'est... Ici. Parce que c'est là où on trouve des épices. Arrêtez-moi si je me trompe. C'est bien des épices. Hop là, on a perdu la flotte. Non. Aïe. Sûr. Ça, c'est une belle révolte, les Grecs. Thémistocolis. Ouais, pas trop mal comme nom, révolte.
en espérant vraiment que je pourrais entrer sur un territoire à la fin. Bon, on blande un peu, c'est vrai, parce que y a plus rien à faire. Putain, tout ce que j'ai à construire sur mes territoires. Bon, en même temps, j'ai un peu conquis ce pays. Putain, j'aime bien parce que les balcons, il y a plein de mines. Et je me dis tellement, une mine. Vous savez, il n'y a pas de plagiat du Seigneur des Anneaux. Et je crois qu'il doit y avoir plagiat. Bon, bah, c'est pas grave. Je m'en fous du plagiat. Bon, alors, on a un bel empire quand même dans les Balkans. Ouais, alors, je pense si on... Regardez, ils avaient mis la Suisse, mais la Suisse, elle n'existe pas. Regardez, là, il y a un... devrait y avoir un territoire, mais il n'y a pas. Alors, je sais pas pourquoi ils ont retiré la Suisse. Bah, parce que c'est chiant. Bon, si la Grèce se fait attaquer par eux, je fais une alliance avec... Je vais d'ailleurs faire une alliance avec la Grèce quand je m'entendrai assez bien. Donc, quelles sont mes relations avec l'Égypte? Amicale. Ah, peut-être que... Avec 8000, tu acceptes quand même. Bon, je... Tout ce que je vais me permettre, c'est de faire... Ah, encore un cadeau. Parce que j'aime bien mes alliés, moi. Bon alors, je m'entends bien avec les nations barbares. The fuck. On s'en vient avec la Géorgie, qui sont pas très... Alors, les nations barbares, elles sont... Ah non, les nations barbares ne sont détestées par tout le monde. C'est un peu non. Ah non, c'est bon, ils se sont entendus bien. Ils sont juste en guerre contre Venise, mais non, bon, c'est une lutte à mort. Alors, l'Egypte, ils s'entendent assez bien. Par contre, ils s'entendent pas bien avec les Marats. Ça, c'est pas un truc qui m'a arrangé. Ah, mais la Géorgie, il y a juste les Pays-Bas qui l'aiment. Et même un peu la... Et même... Et oui, et vraiment, il y a que les Pays-Bas et moi qui l'aimons. Ah là là. Alors, Nation des Plaines. Bon, personne ne les aime. Mysore. Alors, le Mysore, ils sont bien aimés par l'Inde. Alors, il y a très peu de chances qu'une guerre éclate entre eux. Mais j'ai pas de port pour faire de commerce. Alors, les Danois, ils sont assez mal aimés par la Prusse et par le reste de l'Europe. Mais bien aimés par le Royaume-Uni. Donc, il n'y aura pas de problème. Alors, les États italiens, l'Italie, n'aime pas la France. Mais la France, c'est un pays catholique. Innocent Ier, 25 ans. Ah oui, c'est le petit pape qui avait 3 ou 4 mois, c'est ça. Je peux peut-être tenter. Je voudrais bien tenter un accord commercial avec Gênes. Je vais de toute ma. Je voudrais même pas savoir ce qu'ils disent. Bon. Bon, ben. Nous sommes à 42 minutes de vidéo. Je pense qu'il serait temps d'arrêter. Alors, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode où nous avons perdu. Où nous allons. La prochaine fois, on ira écraser cette révolte Don Bosco. Et j'envoie tous les rebelles en Sibérie. Parce que je ne veux pas déconner non plus. Eh, t'es chef d'une révolte? Oui. Goulag, mais j'ai une femme et des enfants. Bah, t'aurais dû réfléchir à deux fois avant de te rebeller. Révolution! Mais bien sûr, mais bien sûr. Oh, regardez comme il est marrant, cet imbécile, il veut se rebeller. Bah oui, pourquoi? Bon, on va faire des fortifications améliorées dans certaines de nos villes. Voilà, au cas où si on se fait envahir. Alors, est-ce qu'on... Oui, c'est bon. Bagdad, c'est pas très sûr, mais bon. Ah, l'Azerbaïdjan, c'était sécurisé, j'avais oublié. Ah oui, parce que j'aime faire un peu prendre la région par les Perses, mais... Ah là là, quand je repense à tout ce qu'on a fait, on est en 57, on a éliminé la moitié des factions de la planète. Parce que bon, c'est plus que 3. Hein. Alors, on est assez bien aimé par les principales nations, donc les Émirats. Ah, les Émirats sont même aidés par les Indiens d'Amérique. Bah, eux sont des Indiens, donc eux aussi sont des Indiens. Mais bon. Alors, l'Autriche s'entend pas avec la partie occidentale de l'Europe, sauf avec le Royaume-Uni. Attendez, Venise, je veux juste voir un truc, tu sais. Venise est alliée au pape. Et le pape est allié à Gênes. Ouais, donc faire la guerre pour le pape, ce sera pas suicidaire. Bon, au pire, si le petit pape il essaie de se rebeller, là je prends Rome. Voilà, comme ça je serai la puissance dominante. Ah ah, non, j'ai conne. Je pense que je pourrais donner la région à l'Espagne pour bien emmerder le monde. Voilà, parce qu'en plus on dit que les Espagnols ils sont très croyants. Et bah voilà, voilà le mystère est résolu. Bon, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.